Et je me réveille souvent haletant, en me rendant compte que je n'ai pas dormi, que je n'ai pas eu le temps. Mais je n'en suis pas fier, je ne trouve pas ça vraiment épatant. Le temps n'est pas réel, il n'existe pas. Et à force de vouloir le devenir, je me demande si au final j'existe moi. Pourtant, j'aimerais évoluer en un mouvement gracieux qui ferait épouser sa courbe. Mais je ne suis qu'une particule pour une poussette. En faisant juste zut, j'ai fait une courbe. Je veux coller au temps comme le carambar colle au temps. Car dans 60 ans, je picolerai mes regrets dans un bar pour me souvenir des jours d'avant. Dans ce futur-là, j'aimerais pouvoir dire que je suis fier de me rappeler de moi. Et pas de me sentir comme un frileux décembre sans avenir qu'on maudit. Un dernier mois. Qui t'arrose les esprits de minuit. Ce qui me nuit sont ces pensées qui rôdent en dégrainant chacune une pierre, une marque, un bruit. Une seconde, un moment, et je sonde à coups de plomb, à court de front, loin de l'ombre qui me met à l'écart, car je sais bien que je me mens. Le mouvement est ailleurs. Là où tout le monde courait avant, je suis condamné à rester assis en tailleur. D'ailleurs, je rêve d'un ailleurs où le temps serait palpable. Je pourrais m'accrocher à lui, je tiendrais sa main sans faiblir. Je sais que j'en serais capable. Mais je ne suis plus un enfant, et je reçois ces fables d'un sourire affable, affalé sur le tabouret bancal de ma cuisine. Je contemple les rues vides de gens me demandant quand est-ce qu'ils rentreront de l'usine. J'use mes fonds de culotte ainsi. Et je fouille le fond de mes tiroirs pour trouver une preuve tangible que je vis. C'est une question que je me pose. Mais il n'y a rien à part mon visage dans le miroir, ou le reflet humide de mes fesses, ou le papier peint jauni de mon couloir. Je me souviens de ce temps où je coulais des jours heureux. Non, ce n'est qu'un rêve que je fabrique assis dans le RER. De comprendre ce qu'il m'arrive. Les autres vivent quelque part là-bas, enfin je crois sur cette autre rive. Alors je ruse. J'imbrique des souvenirs qui auraient pu être les miens. Mais malheureusement c'est un principe qui use. Rien ne m'amuse plus. Bien qu'il fût jadis un temps où tout cela m'est plu. Il pleut à présent sur le sable que j'avale. Et les coulées pâteuses n'enjambent dorénavant dans ma bouche que de terribles râles que personne n'entend. Puisque personne n'existe, je suis seul pour témoigner que vivre sans les autres est un sentiment parfaitement triste. Sur la langue, je sens bien que ce n'est pas le goût du présent. Quelque chose m'a retenu. Peut-être qu'en faisant mon chemin, je me suis égaré, je me suis perdu. Reste que les mots qui me guident ne servent sûrement à rien. Reste que les mots qui me brillent ne sont pas vraiment les miens. Reste que les mots qui me guident ne servent sûrement à rien. Reste que les mots qui me brillent ne sont pas vraiment les miens. Que dire d'autre? À part devenir une part du temps. Quand on comprend que l'oubli signifie qu'on est mort depuis un bon moment. Un bon moment à se débattre pour faire illusion à soi-même. Mais la conclusion qui s'impose à la hâte n'est pas celle que l'on aime. Le temps n'existe pas, mais il faut s'y raccrocher. Car si l'on s'y perd, on finit seul sur un tout petit bout de rocher.